Alors, on continue. Là, j'ai mis le double face super costaud. J'ai mis un petit peu de colle quand même dessous avant pour être sûr. Et donc là, on va venir coller notre reliure comme ceci sur la tranche. Moi, là, je vais aller plutôt vers le bas, puisque là, il y aura les tags. Voilà. Et comme je pense y mettre des capsules altérées, tout ça, en bout pour tirer, du coup, je veux qu'il y ait plus de place en haut qu'en bas. Donc, je vais me mettre à peu près à 1 cm en bas. Et donc, normal, et il y aura 2 cm en haut. Pour aller droite, je vais y aller petit à petit. Donc, là, je vais mettre de la colle quand même pour être sûr que ça colle bien, même si il est super costaud le double face, mais bon. Vaut mieux prévoir. Donc, pour aller droite, je vais venir me mettre comme ça, toute droite. J'espère que vous voyez un peu. Un peu plus. Voilà. Et donc, je vais me mettre à peu près au niveau que j'ai envie. Et alors là, je vais venir le coller comme ça. En fait, je viens carrément le coller sur le rebord. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on va faire autrement. Je vais venir coller le reste. Et après, ça, je le collerai en dernier. Ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va être collé. Donc on va faire l'inverse, je vais coller d'abord sur cette partie-là. C'est le mieux, hein, puisque donc, je colle à peu près à moitié. Voilà. Et donc là, du coup, je vais venir me mettre au bord, comme tout à l'heure. Hop. Bien au bord. Et là, je viens coller. Je vérifie en même temps que je sois à peu près droite. Je viens mettre de la colle là où il n'y en a pas. Et là, on va continuer. Et là, je ne suis pas tout à fait droite. Donc, on rectifie. Et on appuie. Et ouais. Bon. Je vais pas pouvoir le redécoller, je parie. Bon, bah, tant pis, hein. On va faire comme ça. Hein. Je suis pas tout à fait droite là. Ça m'embête un peu. Bon, on trichera. Alors. Hop. Et là, donc, du coup. Je remets de la colle.
Et là, je viens continuer à coller. Bien sûr, je les suis. Là. Et du coup, là, je viens finir ce côté-là. Pareil. Je vais remettre de la colle. Bon, trop tard. Et là, vous voyez, là, ça fait des plis, donc c'est pas bon ça. Donc, je décolle et je viens recoller avec de la colle. En fait, c'est parce que là, j'ai pas remis de colle, donc du coup, ça va pas. Donc j'en mets bien partout, de toute façon ça va être caché dessous. Donc là, là, et là, on vient appuyer. Là, j'appuie. Et donc, je vais le faire de l'autre côté, ce sera plus facile du coup. Parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, je me mets comme ça. Il y a bien le pli comme ça. Et là, on appuie. Là. Donc voilà, notre structure et la reliure est prête. Il n'y a que là que faut que ça se fasse. Du coup, voilà. Donc, avant de mettre les pages et tout, je vais venir faire une fermeture, une lanière qui va venir comme ceci, aimantée. Je ne vais pas mettre de fermoir parce que là, je vais le faire en tout aimanté avec une bande décorée avec de la dentelle. Et comme c'est une fibre, et du coup, je vais faire une jolie rosace avec de la dentelle et tout ça comme fermeture en fait qui viendra se mettre ici. Donc je vais venir coller avant la fermeture. Là il y a un gros truc qui va pas hein. En fait là ça va pas du tout ça. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça c'est pas bien grave puisque de toute façon il y aura là de la dentelle ou quoi qui va venir cacher, mais bon quand même. Non. Bon, je verrai ça après. Donc voilà ce que ça nous donne. Oui, j'étais à la lanière. Donc, vous voyez, je vais prendre une feuille de papier et ça va venir comme ceci. Donc, je vais la prendre assez large. Pourquoi? Parce que sur le gros album que j'avais fait déjà, les aimants, ils s'aimantaient pas beaucoup. Alors là, je vais faire une large avec de la dentelle et tout ça qui va venir comme ceci. Comme ça, je pourrais mettre des aimants partout. Parce que si j'en mets que deux ou trois, là, ça va pas tenir assez. Donc, voilà. C'est pour ça que je vais le faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ben, je vais coller ça d'abord. Donc, la tranche fait 15 cm. Donc, déjà, il me faudra que ça fasse 15. Une pliure de 15, comme si ça va falloir que ça fasse 15.
Donc je vais regarder pour que ça fasse 15 cm. Donc là, je le prends, c'est une chute de papier. Je le prends sur la longueur de 29,5. Et donc là, 29,5, j'ai dit que ça ferait combien là? Donc je vais prendre 12 cm. 12 cm, ça va pas être. Non, je vais prendre 10 cm. Je vais prendre 10 cm là. 10 plus 15, ça fait 25. Ouais. Donc je vais faire un pli à 10 cm. Et là, je viens refaire un pli à 15 cm. Donc ça, c'est ce qui ira dessus, comme ceci. Ça, c'est la largeur de la tranche de 15 cm. Et ça va être venir dessous, ça va être collé sous la tranche, enfin la couverture. Voilà. Donc, on va venir la préparer. Et celui-là va venir comme ceci. Vous voyez, ça va venir comme ça. En fait. Si vous voyez. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais choisir du papier. Parce qu'on va y mettre quand même du papier dessous pour que ce soit plus joli. Donc, du papier. Je vais prendre celui-là parce que je trouve qu'il est super joli. Ouais. Donc ben pareil, là je vais le couper. Donc ma bande fait 10,5 de large, donc je vais le couper à 10 cm. Ben, sur 30. Ouais, ben 9,5. Donc 10. Centimètres sur 29,5. J'aurais pu le laisser à ça, mais bon. Donc voilà. Je vais venir l'ancrer, mais avant, je vais venir me servir de ma belle perfo, n'est-ce pas? Donc, on va voir ce que ça va donner. Hop. Donc, je vais venir perforer là, de l'autre côté. Et donc là, je vais venir en mettre un coup. Je vais aller voir ce que ça va donner. Hop. Donc là, c'est loupé, mais ça, je le savais. Et là, je vais venir couper juste là. Mais je garderai comme ça l'arrondi. Vous allez voir. Hop. Ça donne. Et du coup, je vais venir coller. Aha. On laisse un peu de noir. Et là, je vais découper un petit peu. Donc voilà. Bien sûr, je vais faire le pli.
aussi. Ce sera plus facile. Donc, j'avais dit un pli à 10. Donc là, à 9,5. Donc là, je me mets sur le 1. Et 2, 1, ouais, 1. Et je viens faire le pli à 10,5 du coup. Et après, je le fais à 15. Voilà. Je vais vérifier quand même que tout va bien. Donc voilà ce que ça va me donner. Là, c'est pas grave, on s'en fiche puisque ça va être dessous de toute façon. Le principal, c'est que là, il y a la bande là. Donc voilà. Hop. Si je le fais comme ça. Ah oui, non, là, c'est le bazar pour tomber pile poil. Ça va pas. Non, je regardais pour pouvoir le bien le mettre, mais. Et du coup, je vais pas laisser les 0,5, ça va pas aller aussi. Non. Ça va pas faire joli. Je suis pas assez forte pour couper, on va dire. Je crois que si je prends cela. Donc en fait, je vais prendre celui-là. C'est une chute hein, que j'ai. Je vais venir le sceller avec des trombones. Essayer de faire ça bien quand même parce que donc voilà et là du coup ben, je vais venir le couper au cutter donc je me cale et je fais pareil de l'autre côté. Ce qui n'est pas évident noir sur noir, hein, mais bon. Donc voilà. J'ai juste arrangé un petit peu. Et donc, voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir le coller comme ceci, en fait. Donc, ben, pour le coller, hein, comme d'habitude, là, je vais prendre mon gros double face costaud. Ça, je la mets de côté. Donc là, je remarque les plis. Voilà. Et là, vous voyez le papier action, il craque à chaque fois, c'est terrible. Ouais, bon. On va prendre autre chose parce que là c'est pas possible ça. Voyez la qualité quand même du papier. Enfin moi chaque fois action ça craque. Alors je veux bien mais bon il y a des limites quoi.
Donc, ben, on va refaire. Donc, alors avant, déjà, je vais venir consolider le papier pour être sûr que ça tienne bien. Donc, je vais venir recoller un papier noir pour le dessous. Donc, c'est la même taille, les mêmes plis. Je vais venir d'abord y mettre des aimants ici. Ça fera un renfort de plus. Parce que je me souviens quand j'avais fait l'autre, là, le gros, ça avait été compliqué. Donc, je préfère en mettre plus que pas assez. Parce que c'est vrai que c'était un peu galère l'autre fois. Donc, dans le doute, on va les mettre. Et on en remettra après dessous, parce que je vais sûrement venir mettre du papier après pour décorer. Donc je vais en mettre deux là. On va venir en mettre deux là aussi. Donc on les glisse dessous. Hop, et je vais en mettre un au milieu. Parce que c'est vrai que quand il y a du poids comme ça, faut que ça tienne. Bon, même je vais en mettre deux au milieu. Pas s'embêter. Au diable l'avarice. Bon. Voilà. Donc ça. Et donc là, je vais venir coller ma feuille. C'est mon renfort en fait. Parce que c'est un renfort sur l'autre. Alors on va essayer d'aller droite. On va essayer de faire ça bien. Ça changerait. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, avant de continuer, je vérifie que je suis bien sur le pli. Donc c'est bon. Je vais appuyer. Et là, on va continuer petit à petit. Voilà. Là, je vais enlever tout ça. Et là, je vérifie toujours que ça passe bien. Donc là, ben, je vais appuyer. Voilà. Et là, comme vous voyez, ben là, j'ai plus qu'à découper autour. Pour suivre la forme du bout de la sangle. Je fais pareil de l'autre côté. Là, j'ai un millimètre qui dépasse, donc ça, c'est pas grave. On le coupe aussi. Voilà. Et donc là, on vient rappuyer, bien marquer les plis. Et là, c'est quand même plus solide. Là, je vais venir mettre de la dentelle par-dessus. J'ai sorti aussi du cuir marron que j'ai. En fait, c'était pour les bijoux au début. Mais il est un peu trop souple pour les bijoux. Donc, du coup, je m'en sers en scrap quand je fais des trucs vintage. Donc, je vais en mettre là. Je vais venir mettre aussi de la dentelle. Alors, je ne sais pas si je mettrai celle-là. Celle-là aussi. Je ne sais pas trop. Donc, je regarde tout ça, puis on se retrouve après. Donc, alors, je vais coller de la dentelle en plastique blanche au milieu, en double. Donc, une dans ce sens, une dans ce sens.
Sur les côtés, je vais mettre le cuir marron avec les surcoutures blanches. Et au milieu, j'ai bien envie de mettre cette dentelle, ce ruban. Voilà. De naissance que j'adore. Voilà. Donc, je vais commencer avant tout par coller les bandes de cuir. Bon, le seul souci, c'est que là, du coup, ça va être pour faire l'arrondi. J'ai pas pensé à celle-là. Parce que là, ça va pas être faisable. Quoique après, là, il y aura la grosse rosace, là, le gros truc qui va décorer. Donc, du coup, je me dis... Bon, je vais coller. Je vais commencer par le cuir. Alors, je vais enlever les paquets de colle sur le pistolet. Sans me brûler, si possible. Donc... Je vérifie que ce soit coupé bien droit. Je vais coller comme ça. Je vais me mettre au bord et là je vais venir le coller. Alors, on y va. Bien au bord. Donc, j'espère que vous y voyez un peu. Comme là, il y a le soleil. Mais bon, franchement, vu le manque de soleil qu'on a, on va le garder. Hein. On ne va pas s'enfermer dans le noir. Donc, voilà, en fait. Là, j'y vais petit à petit. Donc, je m'arrête au pli, en fait. Et là... Doucement, je colle. Pareil, on vient marquer le pli. Et là, je vais continuer dessous, mais bon, ça, c'est pas obligé. Moi, c'est juste que je veux que ça fasse la continuité dessous, en fait. Mais on n'est pas obligé, puisque de ça, ça va être caché, de toute façon. Donc, voilà. Là, je viens couper... Donc voilà, je marque bien le pli et je fais pareil de l'autre côté. Bon là, je suis pas très droite, donc je vais bien le couper droit, voilà. Et on fait pareil. Là, je vais ressortir la colle, hein, puisque... Et voilà. On continue. J'évite de mettre la colle sur les plis. Et là, je me cale bien. J'appuie pour pas que ça fasse de paquet de colle, hein. Là. Et je fais le petit bout qui va être caché, mais bon, au moins. Et je coupe. Donc voilà. Là et voilà. Ensuite. Je vais m'occuper de la dentelle blanche. Donc, je vais venir la décaler. Donc, excusez-moi. Donc, pareil, je vais venir la coller. Alors, je regarde, puisqu'il y a un sens quand même. Il y a un truc qui est, un côté qui est joli et pas l'autre. Donc, je prends le joli. Alors sur celle-là, ouais, c'est celui-là. Donc, je vais faire en sorte quand même qu'on voie le cuir, mais qu'il soit caché quand même. Donc, je vais faire déborder un petit peu là. Quoique, j'aurais pu faire...
Ouais, je vais aller jusqu'au bout en fait. Donc, par contre, pour ça, je vais essayer de me mettre droite. Là, je vais venir faire un léger trait pour me donner à peu près une idée pour être droite. Et donc là, je vais venir coller. Alors, on y va. On colle en essayant de ne pas trop se brûler. On pourrait aussi le faire en froufrou. Ah oui, non, je vais le faire en froufrou, ce sera plus joli. Hop, hop, hop. Ah oui, je vais le faire en froufrou. Ça va faire super joli comme ça. Bon, là, ça, c'est pas grave, ça va être caché de toute façon. Donc, du coup, je viens prendre carrément la règle, le stylo. Et là, du coup, je vais venir faire un trait. Pour voir à peu près pour le départ, pour le milieu. Et donc, on recommence. C'est dans ce sens. Par contre, avant, je vais prendre ça pour pas trop me brûler. Et donc, on y va. Hop. Bisous. Bisous. À tout à l'heure. Pas trop tard, hein? Excusez-moi. Excusez-moi, oui. C'est ma fille qui s'en va. Hop. Et donc, alors, j'essaye de rester à peu près droite. À peu près. Là, j'en ai. Et etc. Je m'arrête quand même avant la pliure parce que par contre pour la pliure je vais essayer d'être droite. Donc là j'appuie. Voilà. Et là je vais continuer. Vous voyez, je saute la pliure quand même. Donc là, on vient appuyer pour que ça colle bien. Donc, voilà ce que ça donne. Je vérifie, c'est bon. Donc, ben, on va continuer. Là, j'appuie. Hop. Et on continue. On appuie. Là, je vois que c'est pas assez collé, donc je viens mettre un point de colle. Là, pareil, et je viens m'arrêter. Arrêter le pli avant la pliure. Là, par contre, à ce côté-là, je vais le faire sans pliure, puisque là, je vous rappelle que ça va aller dessous. Donc là, je ne veux pas de pliure, en fait.
Là, je veux que ce soit le plus plat possible, hein, puisque ça va dessous. Donc voilà. Là, je viens couper à ras. Donc, voilà ce que ça va donner. Bon, bien sûr, après, j'enlèverai les fils de colle. Hein. Là, comme ce côté, je le veux bien plat, du coup, je vais mettre un peu de colle et je viens le coller à plat, puisque ça va dessous, ça. Donc, voilà ce que ça va donner. Et bien là, on fait l'autre côté, du coup. Donc, pareil, je le prends dans l'autre sens. Et je continue. Je fais exactement la même chose. Sauf que là, du coup... Là. Donc là, je viens faire un petit trait aussi. À peu près. Je vais m'enlever toute la colle quand même que j'ai sur les doigts parce que c'est un peu catastrophique. Et donc là, pareil. Alors là, par contre, je veux que ce soit plat. Puisque là, c'est le côté qui sera dessous. Donc là, hop, on met de la colle, on le met à plat. Puis c'est tout. Là, je vais en mettre un petit point de colle. Et donc là, ben, je vais venir reprendre mes plis. Donc, on y va. Comme tout à l'heure. Je continue. J'essaye d'être toujours un peu droite. J'essaye de ne pas trop me brûler aussi. Et on continue. Après, si je vois que ça pas prend, si ça prend pas assez au niveau des froufrous, je rajoute un peu de colle. Vous voyez là, je vais venir rajouter un peu de colle et rappuyer. Et pareil là après là. Et là, ben, on continue. J'essaye d'éviter les pliures au niveau du pli. Et on continue. Et là, jusqu'au bout. Et là, vous voyez, là, ça tient pas, donc on rajoute de la colle. Et on aplatit en même temps comme ça. Là, je viens couper. Hop. Donc voilà ma sangle.
Donc ensuite, je vérifie, donc ça plie bien. Là, je vais venir enlever la colle qui est un peu partout. Ça ferait joli aussi avec ça. En fait, je pense que je vais venir mettre une dentelle marron, si j'en ai une. Et après, je vais venir mettre ça au milieu. C'est beaucoup plus joli. Je regarde si j'ai de la dentelle marron, puis on se retrouve après. Donc, alors, excusez-moi, ça marchait pas. Je croyais filmer. Donc, j'ai mis de la dentelle marron, comme ça. En froufrou, en haut, en bas. Et là, du coup, je vais venir coller de la dentelle violette au milieu pour cacher le noir en fait. Et dessus, je vais venir mettre celle-là. Voilà. Je sais, en fait, comme je le sens, j'espère que ça lui plaira. Parce que là, je suis pas sûre de mon coup du tout. Donc, en fait, je voulais mettre le ruban là, mais il est un peu trop fin. Donc, ça m'embête, mais du coup. Ou alors, à moins que je mette celle-là au milieu et le ruban dessus. Ouais, mais du coup, ça va pas se mettre. Ça va tout gâcher aussi. Non, je vais mettre celle-là plutôt que l'autre là parce que je trouve qu'elle ira mieux. Donc je coupe bien à ras, bien droit, hop. Et donc je vais venir coller au milieu. Non mais j'ai dit que c'était quel côté. Donc, on y va, on met de la colle. Et on vient appuyer. Donc là, je la mets bien au milieu sur le noir. Comme ça, ça la fait se relever un petit peu. Ça évitera que ça fasse trop, trop plat. Là, il y a la pliure, alors je mets pas de colle là, hein. Je le mets juste derrière. Donc voilà. Voilà. Jusqu'à la pliure. Et là, je continue. Non. Mais là, ça va être plat. Voilà. Et là, je coupe. Là. Donc voilà. Et puis là, ben. Je vais venir mettre ma jolie dentelle avec des perles. Hein. Donc, ce qui est dommage, c'est que je vais pas pouvoir y coller le joli ruban. Bon, je le mettrai après. Par contre, là, je vais pas venir là parce que sinon, là, ça va. Je pourrais pas le coller dessous, sous le papier. Donc, du coup, je vais partir de là. En fait. Parce que là, ça va pas être possible. Donc, je viens coller au milieu. Et là, au bord du pli. Puisque du coup, vous voyez, là,
et on continue. Continue. Voilà. Et donc là, je le mets au milieu puisque je sais pas où ça va s'arrêter. Hop. Et voilà. Et là, je viens couper au bord à ras. Je me crame au passage. Voilà. Ça, c'est fait. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà. Là je me suis un peu lâchée, j'avoue que là bien sûr je viendrai mettre du papier, mais ça je le ferai après. Donc voilà. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Ça va venir comme ça. Hop. Voilà. Et donc, du coup, là, ça, je vais venir le coller carrément au pistolet à la colle chaude. Je pense que ce sera le mieux et le plus solide, puisqu'il y a quand même la dentelle et tout. Donc, je vais venir mettre au bord. Alors, je vais regarder approximativement le milieu. Donc... 4, 7, donc 6, et là 7. Voilà. Donc je viens juste faire un petit trait à peu près où j'ai décidé de le coller. Je viens mettre de la colle sur toute ma partie. Et donc là, ben, je vais venir me coller à ras et appuyer bien fort partout. Voilà, voilà, ça c'est à prévoir, c'est pas grave, je l'enlèverai après ça. Le principal c'est que tout soit bien collé. Vous voyez, ça part en frottant. Donc ça aussi on va le gratter après. Donc voilà. Là, par contre, ça, hop. Et là, ça va venir comme ceci. On viendra coller comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ben là, je vais nettoyer un peu tout ça. Et puis après, on va continuer. Donc à tout de suite.